Alors, 8000 de thunes, c'est très bien. Lame d'or vif, attaque mêlée plus 3, défense en mêlée plus 3. Qu'est-ce que ça donne? Déjà, level up. Level up, attaque éclair, ça c'est bon. Et donc, masse d'infection peu fréquent. Ou ça, plus fréquent. Alors, ça fait quoi? Capacité, dégâts des armes peut causer la terreur, ce qui est plutôt mignon. Ou alors ça, défense en mêlée, attaque en mêlée, ce qui est plutôt mignon aussi. Mais je sais pas, la masse d'infection, je trouve ça cool. Ouais, on va prendre la lame d'or vif. Hop. Ici, il n'y a rien qu'on peut utiliser. Tiens, je vais voir sur lui, parce que je crois que lui, il peut peut-être porter des trucs aussi. Et on a en effet taux de recherche plus de 10% à toute la faction qui n'est pas utilisée. Poum poum poum, là il n'y a rien. Là, genre, il y a ça qui n'est pas utilisé. Talisman, il y a genre. Poum poum poum, résistance physique 10% qui n'est pas utilisé. Et t'as une manticore et c'est trop la classe. Ok, donc eux, c'est réglé. Lui, il faut que je le mette comme ça. On n'a rien à construire, non. On va repartir sur l'autre Billy ici qui n'a rien à construire non plus. Ben, c'était le même tour. Ah, c'est le même tour. Attends, j'aurais presque pu faire ça comme déplacement. Non, on va s'arrêter comme ça. Bateau, tu peux, mais j'ai pas tout compris au système de navigation. Bah, apparemment, ils veulent faire une... Ils veulent faire carrément un vrai système de navigation. Ils m'embêtent, les nains, là. Alors, avec l'armée de Sigvald Magnifique, battez 3 armées au garnison, total 0. Ok. Donc ça, c'est des potes. Et on peut aller jusqu'où? Le but, c'est d'aller attaquer ici. Très bien. Là, le but. 49 000. Hop, on regagne de l'XP. Voilà, c'est fait. Level up. Tu vas avoir ta Manticore de PGM. Même si ça sert à rien, c'est trop la classe. On passe sur l'autre. Tu vas nous raser cet endroit pour le roleplay. Très bien. Pour prendre le bateau, ton armée doit passer par un port pour embarquer. Quand tu es à proximité, tu retiens le déplacement sur l'eau. D'accord. Donc, fallait bien un port. Rasé. Attribut immunisé contre la psychologie. Unité assiégée. Marque de Slaanesh. C'est cool, ça. Est-ce que t'as fait un petit level up? Non, t'as pas fait de level up. Ok, c'est fini. Je joue le chaos. Le chaos. Le chaos. Alors, lui, il va embêter mes alliés. Et en plus... Ouais, ouais. Toi, t'es pas cool, toi. Poum, poum, poum. Donc, tu vas... Est-ce que tu peux construire des trucs? Non. Donc, tu vas nous faire un max déplacement. Ton pote qui est là, il va nous faire un déplacement max aussi. Ton pote qui est là, il va... Bon, il va aller attaquer cet endroit. Ça va être chiant parce qu'il va faire tout le tour. Ah, quand la baston, bah il y en a plein des bastons. Juste, elles sont... Oh, 14 000. Attribut cause la terreur, lame hurlante. Alors voyons voir s'il y a eu un level up. Du coup, frise d'échec, réserve de vent de magie. On va faire ça. Et au niveau de l'arme, malédiction du guerrier fréquent, durée constant, un sortilège constant, l'autre c'est quoi? Cause la terreur, est-ce que c'est constant ou pas? Ouais, on va laisser ça, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. On se repose. Et là, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai déjà déplacé les unités, je crois. Ah, quand la baston, pas en auto, si tu préfères, bah, le jour où j'ai une baston qui vaut la peine d'être faite. Je suis mitigé, hein. Oh
Oh, j'ai tellement envie d'aller le défoncer, mais je sens. Bon, tant pis, je vais pas raser, je vais aller là. Et avec un peu de chance, il peut pas retourner sur ses terres. Du coup, moi, je vais aller attaquer les nains. Et ce sera peut-être plus intéressant. Alors ici, est-ce qu'on peut enfin construire? Non, toujours pas. Quoique, attends, ça se trouve, il faut que je fasse ça. Non, et on le verrait ici, c'était possible. Donc non, on n'a pas deux unités. Donc on continue à se mettre max distance. On prend notre manticore qu'on envoie là. Salut Okyomichi, si tu veux un bon conseil pour le chaos, déjà ne fais pas les trolls, ils sont juste nuls à chier, les déchus et rejetons du chaos sont beaucoup plus puissants accompagnés d'élus. Et enfin le dernier point, le héros le plus pété chez le chaos, c'est Kolek Voili Voilou. D'accord. Ok, donc là on a tout fait, là il s'est déplacé, et on va voir ce qu'il va faire le nain. Parce que s'il passe par là, derrière il a pas assez de portée pour m'éviter. Donc il va être obligé de faire demi-tour. Ouais, il fait demi-tour. Et s'il fait demi-tour, je peux donc aller logiquement attaquer sa capitale avant qu'il aille la protéger, ce qui est plutôt intéressant. Alors, pour passer là, le mieux, c'est de passer par ici. C'est un allié, ça? C'est un allié? Et le déplacement, c'est ça. Poum, poum, poum. Alors, on peut passer par là ou pas? Je suis pas sûr. Si je veux aller là, si, il me fait passer par là. Ok. Très bien. Là, on va voir. On peut toujours pas faire de bâtiment. Donc on va aller là. Et là, on va aller prendre de l'XP gratos. Même si ça coûte des thunes, on est pété de thunes. Ça te dirait d'aller là? Merci. Échec. Il est pas que tu peux faire des embuscades pour des victoires faciles. J'avoue que je fais jamais l'embuscade. J'aurais pu... Ouais, je sais pas. Ok, dans un tour, on va prendre un up sur les guerriers du chaos. Alors... Pas de nain qui se déplace. On va faire la bataille en bas. En bas là-bas. Attends, tu veux pas aller dessus? Merci. C'est qui ça? Oh, je pourrais tuer le Billy quoi. Attends, t'es qui toi? Assassiné. Je sais pas. On va reprendre la partie. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai envie de tenter de l'assassiner. Attends, ça fait combien pour l'assassiner? 61%. Succès. Tiens, regarde. Et bim! Voilà. Bon, du coup, son combat sera plus violent. Ouais. Pas très très violent. Très bien. Hop, 11 000, c'est Noël. Taux de recherche plus 10%, très bien. Là, on a une nouvelle recherche à prendre. Qui sera donc Marche Infernale. Ici, on a level up. On peut donc aller chercher Rassemblement de Puissance. Là, on a absolument rien qu'on peut prendre. Mon autre Billy, il n'a pas level up, mais il y a peut-être moyen qu'il puisse prendre ça. Ok. Et du coup, après, on passe sur lui qui peut... C'est où les nains? C'est là. Ah, c'est trop loin. Ah, par contre, j'ai succès. Oui, c'est ça. Mais c'est bon, j'ai pas succès du coup. Ah, faut continuer là-dessus. Voilà. Ouais, j'oublie tout le temps avec Yumichi. T'affrontes aucune nation depuis le début? Non, j'ai fait un combat. Je vais taper un peu les nains. Enfin, des territoires nains. Ok, donc là on est bon. Hop, on va raser l'endroit. Avant de raser l'endroit, on va refaire de l'XP. Mais c'est un échec. Ready.
Je rase tout. Résistance ultime 15%. Talisman. Ok, alors toi, si t'as pris un level. Donc avec ce level, maintenant je sais plus quoi faire. Tiens, on va continuer là-dessus. Même si on s'en fout. Et toi, ton talisman, tu as résistance physique. Donc nous, on va changer avec résistance ultime. Ah, lui, il a résistance ultime 10%. Ouais, bon. C'est pas grave. On va faire ça. Armure de base, non. Aucun, aucun. Il n'y a rien à prendre. On est bon. Ici, on peut rien faire. Lui, il a déjà fait. Donc ça va être à lui. Qui, j'espère, va pouvoir attaquer le bastion nain, mais c'est pas sûr qu'on arrive à y faire quoi que ce soit. Ah, si, ça va, sans aucun problème. Facile. Quand même fait mal. Ok, là, on se met en campement. Et c'est la fin du tour. Sigvald qui a un point qui est non attribué. Hop, on continue là-dessus. Moi les combats avec les unités entre les, tout ça, c'est pas le truc qui me plaît le plus, hein, de vraiment loin. Ça me passionne pas. Je sais que c'est un truc important des Total War, mais c'est le côté gestion que j'adore. C'est le côté gestion que j'adore. Faction anéantie, Vargs, il ne reste rien à part l'écho du rire des dieux. Ah bah c'est bien, c'était notre vassal. Ils sont morts. Ils sont morts. Ok, alors là par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien à construire. Il y a toujours ça qu'on peut passer niveau 2, mais on s'en fout. Est-ce qu'on a des unités à heal? Non, on s'en fout. On va continuer comme ça. Ici. C'est quoi? C'est un pote, ça? Mais non. Ça m'énerve quand ça fait ça. Attends, ça fait quoi si tu reprends la sauvegarde rapide? Tu reviens sur l'écran ou... C'est marrant ce petit bug, je sais pas si vous l'avez aussi chez vous. Ah, faut que j'arrête. Ah non, si, je peux encore boire. Je peux plus juste pas manger. Voilà. Donc là, on va pouvoir raser. Nickel. Et donc, on peut pas se reposer, mais c'est pas grave. Archaon qui a un point dépensé, qui va nous faire un drain de magie. Salut Einstein. Cette difficulté, c'est juste une perte de temps sur le terrain, mais dès que Crane Live arrivera chez les hommes, tu en auras des batailles. Nouli, qu'est-ce qu'il dit? J'aurais bien aimé m'occuper d'eux. Je me suis un peu déconcentré avec les nains. J'ai pas la porte. Est-ce qu'il y a quelque chose à construire? Non. Donc on va aller jusque là. Ah, quoique. Et on va se reposer. Ensuite ici. Toujours pas d'autres trucs à construire. Donc on va remonter ici. Et avec toi, on va aller là-bas. Pourquoi tu t'arrêtes? Je ne comprends pas. Bonne nuit, le tison. Ok. Alors là, va falloir réfléchir. Mais il va surtout falloir aller faire dodo.
Est-ce que je peux construire un truc ou toujours pas? Non. Donc ici, là il n'y a rien, donc on remonte ici. Là, on remonte ici. Est-ce qu'il va passer ou est-ce qu'il va s'arrêter? Non, c'est bon. On va là. Alors on a besoin de se healer quand même. Hein. Mais on peut construire quelque chose de nouveau. Sachant que moi ce que je veux construire c'est ça. Même si ça c'est hyper mignon. Mais non, on va attendre, on va attendre. Alors la question c'est... Est-ce qu'on attaque ici ou pas? Sachant que mes unités ont pris quand même un petit peu cher. Donc si je me déplace ici... J'hésite. Mon dragon a... Mon héros a un dragon comme monture. Non, mon héros, il a une manticore. Une manticore. J'ai quand même mal, donc je pense qu'il faut que je me heal encore un tour. Ou sinon, je fais une sauvegarde et puis... Ou je vais là. Attends, je vais voir. Je vais tester un truc. Sauvegarder. On peut aller voir, mais je pense que j'ai besoin de me reposer et que la bataille va être trop violente. Oh bah non. Je vais même faire une attaque éclair où ce serait encore plus violent, mais c'est plus intéressant de tuer son héros. Ouh, j'ai pris très très cher. Ok. Mais à sac ou raser, il n'y a presque pas de thunes, j'ai ma thune, on va raser directement. Ah mais du coup je vais pas pouvoir me reposer en rasant je crois. Ah c'est con. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pu me reposer un tour et refaire de l'XP derrière, c'est un peu con. J'aurais pas dû faire ça. Alors... On est à 8. Ici, c'est trop loin. Ici, ça va. On se met en campement pour se reposer. Et on continue de se déplacer avec ces billes-là. Sachant que ça, c'est des amis. Est-ce qu'on veut... Ah mince, attends. Il fait quoi, lui? Ouais. Non, toujours pas. Hop. Est-ce qu'il y a des gens qu'on peut vassaliser, genre eux? Non. Ou eux? Non. C'est ce dont j'avais peur. C'est ce dont j'avais peur. Oh, c'est bon, vous êtes mes potes, quoi. Vous êtes relous. C'est qui les plus forts? Comment je le sais? 169, 188, 175, 162. Je sais pas autour combien je suis, on verra. On verra après, je sais pas du tout. Corruption chaotique 2. Intact. Non, attends, c'est pas ça qu'il faut voir. Comment jouer à leur force? Ça c'est chiant ça. Alors attends, il y a plein de Greylings juste à côté de moi. Ça peut potentiellement être embêtant. Ou alors, ça peut faire des batailles sympas. Alors, on va tenter ça. Donc du coup, on est en guerre contre lui.
ce sera facile. C'est chiant, parce que du coup j'arrive pas à me débarrasser des autres là-haut, c'était pas le bon moment pour faire ça. Il est où mon héros? Il est là. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller... Action du héros, attaquer les unités, assassiner Vernogniovic, seigneur sorcier du chaos, métal. Il est métal, il est métal. Allez faire ça. Échec total. Ah bah non. Ah bah non. Par contre, ils ont pris cher, il est level 6. J'hésite, j'hésite. Qu'est-ce qui lui ferait plus mal? Bon, allez, on va faire celui-là. Donc, je suis au tour 78. Oh non! Oh non! Oh, j'ai l'air con du coup. Mais du coup, je peux faire ça. Et ça. Ok. Là, on peut rien faire d'autre. On pouvait rien construire. On n'a pas level up. Putain, il a tué mon bonhomme, quoi. Foiré. Ici, on est à 9. Donc, il me faut 10. Je peux potentiellement... Il a mal, quand même, mon seigneur. J'ai très envie d'aller voir. Mais on va faire une sauvegarde avant. Parce que si je perds mon héros sur un truc à la con, je vais mal le vivre. Hop, hop. Non, ça l'a pas touché. Mettre à sac. Alors, de la faction ennemie est mort au combat à l'endroit suivant. Très bien. Et malheureusement, je peux pas me reposer. Et en plus, je vais pas pouvoir me reposer au tour d'après. Ah ! C'est embêtant tout ça. On va prier pour qu'on se fasse pas attaquer. Tempête de feu ou sort de Billy. On va prendre celui-là au pif. Et c'est bon. Est-ce que la faction est détruite une fois qu'on a détruit ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu me files 4000 pour un traité de paix? De toute façon, je fais la guerre avec les autres pour le moment, donc on va valider. Ça fera de la thune. Lui, je sais pas ce qu'il fait, mais il fait autre chose. Ok, revenu provenant. Ouais, il y a un gars truc qui s'est barré. Ok. Ah mais du coup j'ai peur de mourir là. On va faire une sauvegarde avant. Parce qu'en auto, il va me tuer mon Billy, je sens. Non, il a pas tué. Ok, faction anéantie. Ce qui est plutôt classe. Ce qui est plutôt classe. Alors là, on a lui qui va faire quoi? J'aurais bien aimé que t'ailles taper lui, mais ça va être impossible là. Campement raid. Ça, c'est un allié. Qu'est-ce qu'il a comme force? Il a rien du tout. Il va se faire défoncer par lui. Est-ce que je peux construire? Non, toujours pas. Tout ce qu'on peut faire. Alors c'est quoi le style de jeu de chaos? Tu te déplaces et tu répands le chaos. Voilà. Alors là, lui il fait demi-tour. Attaquer l'unité, échec, tant mieux.
Là, on peut rien faire. Et bien sûr, il se met toujours à la limite. Comment on peut faire? Mode marche, mode raid. Mode invocation. Du coup, il y a eux, mais c'est mon allié maintenant. Ce qui serait intéressant, c'est de le vassaliser, lui. Donc on est, je pense, obligé de retourner là. Ça, c'est embêtant parce que je pense qu'on va jouer au chat et la souris. Résistance ultime 20%, c'est mignon. On va voir un petit peu ce qu'on peut mettre. Level 11, hop, c'est parfait. Non, c'est ici. Alors, là, on en a 20% maintenant. On va le mettre sur notre autre héros. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. On va passer sur l'autre. Qui va se healer parce que c'est la loose. Et en allant par là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. Donc, on va pouvoir redescendre. On va descendre ici et on va remonter là. Est-ce qu'on a des trucs à construire? 10, oui. Donc déplacement à 75%. Bon, ici ça m'a l'air très très bien. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les ogres dragons, ce qui est mignon aussi. Ce qui nous permet en plus de débloquer un nouveau seigneur. Ce qui serait pas inintéressant. Ou alors, ce que je voulais faire, les chevaliers du chaos. Revenu généré 200. Oh, j'hésite. Oh, j'hésite, 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 j'hésite. Est-ce que je prends les ogres dragons ou est-ce que je prends les chevaliers du chaos? Qu'est-ce que vous préférez? Bye Shadow. Les ogres dragons ou les chevaliers du chaos? Ah, j'ai donné 4000 pour la paix. Oui, non, mais je me fais avoir à chaque fois ça. Oui, non, c'est ma faute, Wayland Stark. À chaque fois, je me fais avoir. Les ogres dragons sont vraiment pétés. Le truc, c'est que les ogres dragons, ça nous permet d'avoir le seigneur. Ce qui est plutôt cool. Donc je pense qu'on va faire ça. Et puis tant pis, on fera après les chevaliers. Ok, donc là, on n'a rien à faire parce qu'on vient d'anéantir. Ogre dragon, c'est quand même le mélange de deux trucs stylés. Exactement. Il est chiant, lui. Lui, il est chiant. Et lui, malheureusement, je vais pas pouvoir... Et du coup, il a fait quoi? Ah, il m'a entravé. Seigneur légendaire disponible. L'œil des dieux est fermé. D'après ce que vous disent vos sorciers, c'est peut-être pour le mieux. Il est temps d'acquérir davantage de pouvoir sans l'influence des exigences des dieux. Ou peut-être faut-il un acte plus grandiose et glorifiant pour ouvrir l'œil une fois de plus. Pas besoin d'affirmation, de rien faire. Être mon témoin. Corruption du chaos, plus 5, tous les personnages. Et faveur, moins 10 000. C'est beaucoup moins 10 000. Après, j'ai ma stun. Et est-ce que corruption du chaos plus 5 tous les personnages, ça va faire une grande différence? Et c'est juste classe. Juste pour le principe, c'est classe. D'être témoin. Allez, juste pour la classe, on va payer 10 000. Voilà. C'est parfait. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec toi? C'est ça la vraie question. Parce que le truc, c'est... Oh, non, mais comme c'est trop fait exprès, quoi. L'ordinateur qui calcule tout. Hein. Bah, tu t'arrêtes juste devant. Okay. Et comment tu tends une embuscade dans ce jeu? En garde, chance de succès. Parce que je serais très content d'aller le taper, lui, mais...
Comment tu fais une embuscade? Tu peux pas faire. Tu peux pas. Tu peux? Ou tu peux pas, non? Alors. Moi, j'ai vraiment encore besoin de me healer là. Et le truc. C'est que derrière, va potentiellement falloir recruter l'autre seigneur. Et on va passer à moins beaucoup en thunes. Genre moins beaucoup. Fais voir si je recrute là ce qu'il y a. Ou alors j'attends les ogres dragons améliorés. Ils sont où les ogres dragons? Je vais pas pouvoir manger alors que je meurs de faim quoi. Je les vois pas. Hein. Ils sont là? Non, chat. Je crois où ils sont. Élu. Entretien à 30% pour les 1. Ok. Remplace les cavaliers par des ogres dragons. Ouais, mais est-ce que j'attends pas les ogres dragons Shaggot? Sachant que j'ai aucune idée de ce que c'est que des ogres dragons Shaggot. Mais genre, aucune idée. Alors où qu'ils sont? Ah, ils sont là. Ils sont là. C'est 248, hein, c'est violent. Hein. T'es passé 3 fois dessus. Oui, c'est bon, je les ai. C'est 248, mais je pourrais en faire 2. Et virer en effet ces maraudeurs qui servent à rien. Ils sont où? Ils sont là. Ah, ça prend 2 tours quand même. Hein. Ça prend 2 tours. Ça c'est fait et donc avec lui j'ai aucune idée de ce que je vais faire. J'ai absolument aucune idée. Parce que lui je sens qu'il va aller nous faire des conquêtes à la con. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire parce que ils sont deux. Lui je vais me rapprocher, il va se barrer de l'autre côté. L'autre je vais me rapprocher, il va se barrer tout pareil. Je sais pas quoi faire. Je ne sais point quoi faire. Personne qu'on peut vassaliser par hasard. My tribe is open to your offer. Do not disappoint. C'est jamais, hein, sur un malentendu. Commence à descendre au sud. Ouais, c'est peut-être la solution. Mais alors, pour descendre au sud, faut que je passe. Ici, je peux pas. Et moi, je voulais tout raser. Je voulais tout raser. Comment je descends au sud? Ici, est-ce que je peux passer ici? En allant là et en passant par là? À mon avis, non. Donc ça veut dire que je suis obligé de passer par là pour aller au sud? D'accord, Kyomichi. Bon, je remplacerai peut-être mes autres gros dragons par ceux-là par la suite, on verra. Mais je suis pas content de cette zone-là. Moi, je voulais tout raser. Donc oui, on a des traités de paix, tout ça, mais avec certains. Mais du coup, eux, c'est des ennemis. Non, mais bateau, tu peux pas si t'as pas de port, si j'ai bien compris. Parce que sinon, ouais, je vais là, quoi. Bon, bref, il est tard. Je devais arrêter beaucoup plus tôt. Donc, je vais vous abandonner. Il faut que je sois quand même en forme pour demain. J'espère que ça va bien se passer. je vous tiendrai au courant. Je vous remercie beaucoup pour la soirée et pour le soutien et pour tout ça, pour la compagnie, pour tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Embuscade corridor au nord en restant pas loin de la ville. Oui, mais tu m'expliques comment tu fais une embuscade avec le chaos. T'as pas l'option embuscade. Tu ne l'as pas. Pour passer au sud, tu poutres qui se lève et n'ordonne. Et voilà, la porte est ouverte. Rajoute une deuxième armée pour prendre tes ennemis en tenaille. Ouais, mais t'as vu, je suis déjà à moins... en fait, à moins 2200.
Il y a mon autre seigneur là-bas que j'aimerais recruter, avec qui faire une armée. Ok, j'ai de la trésorerie, mais c'est quand même limite. C'est quand même limite. Donc je sais pas. Je sais pas encore, j'hésite sur comment il va falloir faire. Bref, je vous fais des bisous. Je vous laisse avec un magnifique texte de bonne nuit fait avec beaucoup beaucoup de talent. Il est magnifique, il est splendide. Je me cache, je mets un dindon à la place. Hop, hop. Et pour ceux qui le veulent bien, je mets 3 minutes de publicité. Vous pouvez couper le son, tout ça, c'est un petit moyen de soutien passif. Des bisous et je vous dis à demain soir ou je sais pas quand, je vous tiendrai au courant via Twitter. Bonne nuit tout le monde, ciao ciao.